Ma mère, la fringante rose, avait 93 ans quand elle s'est mise à dépérir. Je l'ai accompagnée chez son médecin. Il a refermé le dossier devant lui sur son bureau, s'est tourné vers elle et lui a demandé, « Puis Rose, qu'est-ce que je peux faire pour vous? » Ma mère lui répond, « Docteur, j'aimerais mourir. Pouvez-vous m'aider? » Le docteur lui dit, « Non, et ne me le demandez plus jamais. » On lui a raconté son séjour à l'hôpital, son essoufflement, sa désorientation. On lui a montré sa nouvelle prescription. Je ne vois pas pourquoi on a changé son médicament. Ce n'est pas ce qui a causé son problème respiratoire et c'est ce qui peut expliquer maintenant qu'elle se sent étourdie. « Je suis fatiguée, » dit ma mère. « Bien, vous savez, Rose, lui, il intorque le docteur. Vous n'êtes plus une jeune femme. » Une observation qui nous a beaucoup éclairés. Elle m'en a parlé à moi, à mon frère, à mon neveu. Son désir nous semblait légitime. Mais pourquoi me le demander à moi? Pourquoi demander à son fils de l'aider à mourir?